up, people? Bienvenue à l'épisode... Le chiffre après un. Deux. Avant trois. Donc, oui, bienvenue, Influence TV. Come on! Content que tu sois des nôtres, On est vraiment content que tu sois là. Vous êtes les bienvenus naturellement. Influence, c'est quoi? Influence, c'est le groupe de 13-17 qui fait partie de la grande famille de MCI Canada. Alors, j'espère que tu n'es pas tout seul de ton groupe Connect à écouter en ce moment. Si c'est le cas, tu peux tout de suite copier-coller le lien YouTube et le renvoyer dans n'importe quelle conversation pour qu'ils soient capables de se connecter directement. Si tu ne sais pas, c'est quoi un groupe Connect? Si tu sais pas c'est quoi un groupe Connect, pas de stress, on te revient là-dessus à la fin du vidéo, on va tout expliquer c'est quoi les prochaines étapes pour te connecter à un groupe Connect. Exact, parce que avec nous ça veut dire ça. Donc, petite précision, si t'es en bas de 13 ans et t'es en train de regarder, t'es le bienvenu, mais sois certain que tes parents sont au courant que t'es en train de regarder ça. Oublie pas de commenter, de dire ce que tu en penses sous le moment. On est là pour répondre à tes questions. MCI Canada est connecté en ce moment pour pouvoir répondre à tes questions. On n'oublie pas, on reste dans le respect, on reste poli, mais on veut savoir ce que tu en penses, puis on veut savoir c'est quoi tes idées pour les prochains défis, les prochaines questions, les prochains... Peu importe, commente assez fort. Et aussi, ne mets pas... aucune information personnelle. On tient à ta sécurité. Donc, pas besoin de donner ton numéro de téléphone, ton adresse, ton code postal, ton numéro d'assurance sociale. Je suis sûr que tu n'as aucune espèce d'idée. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ok, guys, on a un autre vraiment gros épisode de préparé pour vous. On a quoi ça? Ce serait mon mug de gros épisode. Ok, cool. On a plein de choses de préparer pour vous. Alors, premièrement, on va voir David qui va nous expliquer. C'est quoi la question existentielle? Oh my god! Ensuite de ça, on a Anna qui va nous présenter le beat de la semaine. Pourquoi c'est DJ? Come on, make some noise! Ensuite de ça, on a Emmanuel qui va nous présenter les combos douteux de cette semaine. Après ça, on va avoir les challenges. Yeah! Nouveau segment! Challenge! Come on, somebody! Donc, le nouveau segment, c'est T'es pas game! T'es pas game! Ensuite de ça, on a la recette de quarantaine. Petite recette facile que je pense qu'il peut être plus accessible pour tout le monde, right? Ouais. La dernière fois, ça prenait un certain talent artistique de cuisine. Mais là, il n'y a pas besoin de talent artistique. Good. Voilà pour l'épisode qui s'en vient, qui commence comme là. Donc, sans plus tarder, on va laisser la parole à David qui va répondre à notre question existentielle de la semaine. David! Hey everybody, mon nom c'est David, je suis leader de Influence, 13-17 ans, and I love it. Et aujourd'hui, j'explique la question existentielle, est-ce que la vie a un sens? Quelle question? Alors, est-ce que la vie a un sens? Aujourd'hui, notre vie se base surtout sur l'apparence. You know, si on va sur Instagram, if your IG is hot, que l'important, le sens de la vie, c'est d'avoir plusieurs choses, des belles choses, apparaître bien, être content. Par contre, c'est pas la première fois qu'on se pose la question. Toi, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Si oui, on va en parler. Sinon, on va en parler quand même. So, en 1994, dans une émission télévisée américaine, MTV, le président, dans le temps, Bill Clinton, il a été invité pour que les jeunes puissent poser des questions sur qu'est-ce qu'il va faire comme président, puis c'était un peu relax, c'était drôle, jusqu'à ce que Darlie, de 18 ans, me pose une question très intéressante. Stay with me. Ça sera pas long. A few moments later. La question était, il me semble que le suicide récent de Kurt Cobain, chanteur du groupe Nirvana, si vous ne connaissez pas, je sais que ça fait longtemps, peut-être vous n'avez aucune idée. Voici un logo. Probablement vous l'avez déjà vu sur un t-shirt. So, la question était, il me semble que le suicide récent de Kurt Cobain sert d'exemple face au vide ressenti par une grande partie de notre génération. Que comptez-vous faire pour apprendre à notre jeunesse l'importance de la vie? What a question. Pourrais-je me mettre à sa place à 18 ans? J'aurais probablement demandé, President Clinton, quelle est ton équipe sportive préférée? Mais Dalia a posé une très bonne question. Maintenant, qu'est-ce que le président a dit en résumé? C'est que les jeunes ont vraiment besoin d'une meilleure estime de soi et que tout le monde sur Terre est très important. Bonne réponse, mais ça répond pas vraiment à la question.
question. Le sens de la vie ne peut pas se réduire à se sentir bien. Notre génération, souvent, on nous dit « reste positif et tu vas voir, tu vas t'en sortir, tu vas te sentir mieux ». Mais c'est pas ça le sens de la vie. Je m'explique. Je vais te raconter une histoire d'un jeune homme appelé Larry Walters de 33 ans. 33 ans, c'est jeune. Amen. Et cet homme est un chauffeur de poids lourd. Un dimanche après-midi, en prenant quelques bières, il a eu une merveilleuse idée, selon lui, de inviter son ami pour qu'il puisse attacher des ballons météorologiques remplis d'hélium. Et qu'avec un gun à plomb, une fois qu'il allait monter dans les airs, l'approximatif était de 30 mètres, il allait prendre son gun puis. Je recommence. That's not how you cock a gun. Et un à un, dégonfler les ballons pour revenir sur terre. L'idée semble bien, mais si ton ami t'encourage à prendre des décisions comme ça, change d'avis. Anyways, une fois que son ami a attaché tous les ballons, il avait son lunch, quelques bières, de l'eau, son fusil à plomb, il a décidé de monter dans les airs. Après quelques minutes, les ballons étaient gonflés. Son ami l'a aidé justement et a coupé les cordes. Et notre cher ami Larry Walters a monté non à 30 mètres, mais à 3500 mètres. Tu te rends compte, une fois arrivé à 1000-2000 mètres, t'atteins certains nuages. Cher Walters était rendu à 3500 mètres dans les airs, capotait sa vie. Même un capitaine de Continental Airlines l'a vu dans les airs. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a duré 4 heures dans le ciel, 4 heures dans les nuages, 4 heures en train de voler. Anyways, après 4 heures, Larry, justement, parce qu'il se tenait pour sauver sa vie, il pouvait pas prendre son fusil à plomb pour tirer sur les ballons parce que, justement, il était dans les nuages. Larry a eu besoin d'aide d'hélicoptère, d'avion, et les vols de l'aéroport de Los Angeles, ils ont arrêté les vols pour pas le tuer. Après 4 heures, comme je vous dis, il est descendu des nuages, un peu comme Goku de Dragon Ball. Une fois atterri à terre, un groupe de journalistes sont là, ils l'attendent, ils lui posent la question. Larry, as-tu eu peur? Ouais. Larry, allez-vous recommencer? Non. Larry, pourquoi vous avez fait ça? On peut pas rester assis à rien faire. My goodness! Alors, parce qu'il avait rien à faire, il a décidé de monter dans les nuages, essayer de toucher les étoiles. Alors tout ça pour vous dire qu'il y a quelque chose en nous qui nous dit qu'il y a un peu plus que nos réseaux sociaux, qu'il y a plus à naître, aller à l'école, travailler et mourir. There's something else. Il y a quelque chose en nous qui nous dit qu'il y a plus, qui nous pousse à trouver le sens de la vie. La Bible nous dit qu'on a été créé pour connaître Dieu et son amour. Voilà le sens et le sens de la vie. So simple. Dans Matthieu 22, versets 37 à 39, ça dit « Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Notre vie et notre travail sur cette terre a un objectif, c'est de glorifier Dieu. Alors ta vie va trouver son sens au moment où tu donnes ta vie à Dieu ou dans certains cas, tu redonnes ta vie à Dieu. Tu viens à lui, tu demandes « Seigneur, pardonne-moi, pardonne mes péchés, viens m'aider » et quand tu commences à aimer Dieu, tu vas pouvoir aimer les autres de la façon que Dieu veut et à ce moment-là, tu vas trouver un sens à ta vie et trouver la volonté parfaite de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Alors, je t'encourage aujourd'hui, toi, influence, go love somebody, you know, prends des nouvelles, vois comment ils vont, vois comment l'isolement se passe pour eux. Des fois, un petit allô va faire une grande différence, so be blessed, on vous aime, and to the next episode. Ciao! Merci beaucoup, David. C'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup d'histoires, en tout cas, assez pertinentes, assez percutantes. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer ça. Ça marche avec des ballons de mail. Oh wow, ok. Peu importe. Merci beaucoup, c'était vraiment pertinent comme réponse. Donc, on va passer au prochain segment. C'est le beat de la semaine qui nous est présenté encore une fois par Anna. Donc, écoute bien. Écoute bien, puis oublie pas que ce nouveau beat est disponible sur Spotify MC Canada. Anna, c'est à toi. Salut guys, c'est bienvenue dans le part 2 du segment numéro 2. Alors le segment présentation du beat de la semaine. So, premièrement, j'espère que vous avez aimé la chanson de la semaine dernière. Pour ceux qui l'ont toujours pas écoutée, la chanson c'est Grave Into Garden, donc c'est toujours l'opportunité de l'écouter. Sinon, pour tous ceux qui l'ont écoutée, pour vrai, j'espère que vous avez aimé. Si t'as pas aimé, Dieu t'aime pareil, c'est pas grave. Pour cette semaine, quel est le beat de la semaine?
roulement de tambour, mesdames et messieurs. Le beat est Promises. Ok, ce beat-là, pour vrai, guys, cette chanson-là, je vous le dis, vous êtes pas prêts. Ok? Pour vrai, je vous le dis, vous êtes pas prêts. La chanson est terrible. Ok, ça, c'est le genre de musique que tu prends tes écouteurs, tu vas t'enfermer dans ta chambre, dans ta salle de bain, ton garage, whatever. Tu t'enfermes, t'écoutes ça, puis ça se peut que tu sois plus capable d'arrêter l'écoute. Tu comprends? Ça se peut que ce soit on repeat, tellement t'as feel. Regarde, la chanson s'appelle Promises, qui veut dire promesse. Je te promets, tu vas feel. Ok. So, avant de m'étaler un peu plus là-dessus, je vais vous présenter en fait c'est qui chante la chanson. Premièrement, les personnes qui chantent le chant, c'est Naomi Rain et Joelle Barnes. Donc, c'est eux. Puis ça provient de Maverick City Music, en gros. Maverick City Music, c'est un regroupement de plein d'artistes chrétiens à travers les États-Unis qui ont décidé de se regrouper ensemble et de briser les barrières du conventionnel de la musique chrétienne. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par briser les barrières du conventionnel? C'est dans le sens où, dans la musique chrétienne, il y a plusieurs types. Il y a le gospel, il y a les musiques chrétiennes contemporaines du genre Hillsong, Planet Shakers, Mission Worship. Il y a comme différents genres, mais ils ont décidé de passer par-dessus ça, puis de juste mettre plein de types d'artistes ensemble, pour se regrouper ensemble en fait, et de juste revenir au cœur même de l'adoration. Puis tu sais, quand on dit briser les barrières du conventionnel, vous, quand vous allez justement écouter la chanson Promises, la vidéo, si vous l'écoutez à travers YouTube, vous allez voir dans leur vidéo, là, tu sais, c'est pas genre le genre de musique avec de la grosse batterie comme on est habitué. Tu sais, eux, c'est ils sont revenus à la simplicité même de l'adoration qui est juste pure et simple. Ils sont comme plein de gens regroupés ensemble autour des personnes principales qui dirigent le chant. Ils ont des sons acoustiques de base, piano, guitare, puis leur but, c'est vraiment ça en fait, c'est de revenir à la simplicité de l'adoration. Donc voilà c'est qui, Maverick City Music. Maintenant, la chanson Promises, qui veut dire promesse. Premièrement, juste vous dire qu'aujourd'hui, on est le 17 avril, la chanson vient tout juste de sortir sur Spotify, puisque c'est une chanson vraiment récente. Fait qu'elle est là, là. Elle est disponible sur Spotify. Vous pourrez écrire Promises, Maverick City Music. Vous allez la trouver. Sinon, elle est disponible sur YouTube. C'est une chanson anglophone. Donc, pour ceux qui comprennent peut-être moins l'anglais, il n'y a pas de problème. Quand tu vas sur YouTube, que ce soit sur ton ordi ou ton téléphone, en dessous de la description, il y a les paroles comme ça de la chanson. Fait que tu prends les paroles, tu fais copier, tu ouvres une autre page, tu écris Google Traduction, tu colles les paroles dans anglais et ça va te traduire ça en français comme ça. Maintenant, Promises, je veux dire promesse. Pourquoi c'est la chanson de la semaine? Pour vrai, cette chanson-là, c'est vraiment un chant qui exprime le Dieu qui est fidèle à ses promesses. Le Dieu qu'on a, que quand il fait des promesses, il est fidèle pour de vrai. C'est pas comme un être humain, un homme, qu'il dit des choses puis bon, on est pas trop sûr est-ce qu'il va vraiment faire ce qu'il a dit. Non, non. Lui, là, quand il dit quelque chose ici dans cette parole, il le fait pour de vrai. Fait que c'est vraiment un chant qui reconnaît la fidélité de Dieu, puis qui exprime sa reconnaissance, puis qui exprime le fait que peu importe les saisons, peu importe les temps, les circonstances, j'arrêterai pas de te louer, je vais continuer de te louer. C'est toi mon rocher, ta parole est mon rocher, et je sais que je peux m'appuyer sur ta parole parce que je sais que tu vas être fidèle pour la parole. Puis on a tous au moins une situation pour laquelle Dieu a montré sa fidélité dans notre vie. Ça peut être même juste le fait que présentement, dans ce temps de coronavirus, t'es en santé, t'as pas attrapé le virus. Ça, c'est une raison de louer. Puis que quand tu vas écouter cette chanson-là cette semaine, que ça t'amène justement à louer Dieu pour sa fidélité, pour le fait que tu sais que c'est un Dieu qu'il dit quelque chose, il va l'accomplir. S'il a accompli ne serait-ce qu'une seule situation dans ta vie dans laquelle tu as mis ta confiance en lui, tu as vu qu'il l'a accompli, il va être capable d'accomplir toutes les autres promesses qu'il t'a faites. Fait que c'est de louer pour les promesses qu'il a déjà accomplies dans le passé, les promesses qu'il accomplit live, puis tout ce qu'il va continuer d'accomplir encore dans le futur. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. On jump dans le segment numéro 3, qui est le combo douteux. Douteux pour vrai. By the way, Emmanuel, j'espère vraiment que tu te sens bien. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. That's it, guys! À la semaine prochaine, bye! Merci Anna pour tes explications qui sont tout le temps très 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 claires. Qu'est-ce que t'en as pensé? Girl, ever had. Bon, ok, je chante pas aussi bien que le gars, là, mais vous allez voir, là, c'est la première phrase. Là. En tout cas, non, mais pour vrai, le beat est bon. Le beat est très bon. Je m'encourage à écouter ça. Le prochain segment, c'est le segment qui a été le plus apprécié de la semaine dernière. Sans oui! Doute. Come on! Donc, sans plus tarder, on vous présente les combos douteux présentés par Emmanuel. It's gonna be good.
les amis. Priez pour moi. Oh, ça va être dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Ouh. J'ai pas hâte, ouais. Oh mon dieu. Ok. Le monde, les amis, des idées vraiment bizarres. Et j'ai une nouvelle poubelle. Ouais. Alors, bonsoir, le conducteur. Yo, vous êtes sourds parce que c'est vraiment. Vous allez comprendre pourquoi. Ok? On a encore du lait. Il y a un hot dog. Il y a du pain. Il y a du Coca-Cola. Ouais, il y a du popcorn. De la confiture à la fraise. Oui, de la confiture à la fraise. De la confiture à la. De la confiture à la fraise. Ketchup. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je me présente, mon nom c'est Emmanuel et c'est la centrée. Le combo de deux, c'est des combos que les personnes trouvent vraiment bons, mais qui n'est pas approuvé par tous. C'est pas comme le lait avec des oreos, ou bien du riz avec du sauce poivre, ou bien le poulet et le foufou, ou bien même le macaroni avec beaucoup de fromage. Non, 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 eux c'est des affaires que, comme dans les vidéos, eux c'est du lait avec des chips. C'est des affaires comme ça qu'on ne comprend pas trop d'où c'est venu, mais c'est ça. Sur moi, je suis là pour tester tout le patin, tout le kit, ok? Alors, aujourd'hui, c'est la deuxième édition, les amis. Nous avons un combo douteux que, en ce moment, que vous regardez et que vous êtes en train de prier pour moi, je le sais. Je connais votre cœur d'intercesseur. Vous n'avez pas le choix parce que c'est moi qui vais manger ça, ok? Alors, notre premier combo, combo douteux, je vais commencer avec celui que dans ma tête, je pense, c'est. Le plus clean, là, yo, je sais pas par quel. Oh, ils sont tous dégueulasses. Je sais pas par quel commencer, ils sont tous dégueulasses. J'ai peur, les amis. J'ai peur. Ok. À ce qu'il paraît, hot dog avec de la confiture à la fraise. C'est bon. Alors, je vais tasser tout ça. J'appelle ma poubelle avec pas loin de moi. Confiture à la fraise avec un hot dog. On va essayer ça direct là. Et j'avais pas de pain dog, on va en créer un. Hein? Waouh! 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 Ouais! Oh mon dieu! Ouais, c'est pas pire, mais. Non, 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 ça fonctionne pas bien ensemble. Ça a un goût, ça commence bien, après ça va juste en dégradant. Oh non, non, pour vrai c'est dégueulasse. Pour vrai, non, j'aime pas. On va aller avec le prochain. Je vous rappelle que j'ai du popcorn. Quand je n'ai pas de mots, oh, je dis na 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 na. Quand je n'ai pas de mots, oh. Non, les amis, non. Oh mon dieu. Popcorn avec ketchup, ça va pas le faire. Pour vrai, ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. Oh, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Oh mon. Yo, non, yo, pour vrai, je suis pas d'accord. Yo, c'est vraiment dégueulasse. Ça fonctionne pas ensemble. Ça fonctionne juste pas ensemble. Comme à quoi t'as pensé? À quoi t'as pensé? Ça ne fonctionne pas ensemble. Get man, yo, ça fonctionne juste pas. Oh mon dieu, c'était dégueulasse. Je vous dis directement, y a rien qui est bon dans ce game.
Et la prochaine là, Jade, je suis fâché contre toi. Jade, je suis pas d'accord avec ce que tu as fait. J'aime pas ton idée. À cause de toi, je vais devoir faire l'exercice du pardon. Quand je n'aime pas ton idée. Parce que Jade a une idée de. Du Coca-Cola qui est déjà toxique, qui on dirait du pétrole que tu bois. No offense pour la famille de Jada. Mimi, Yariza, Caleb, Isaïe, Basma Isa, Basma Dukeo. Je sais que c'est un manque de respect que je fais en ce moment. Je vous demande pardon, ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de Jade. Sors! Hé, on te réduit leur chocolat! Ok, tel que pour vrai, ça va pas être super. Alors, Seigneur, je bénis ce Coca-Cola entre tes mains et garde-moi. Bénis ma jeunesse. Et moi. Tu vois, ça sort pas. Ok. Yo, on traite de leur chocolat. Pour vrai, je veux pas le prendre au complet, mais de tout ce que j'ai mangé, ça là, c'est vraiment comme le moins pire. Je pensais que ça allait être le pire, je pensais que j'allais être... Mais non, mais ça c'est vraiment le moins pire. Oh wow. C'est pas bon, mais c'est pas dégueulasse. C'est genre, c'est de tout ce que j'ai mangé, ça c'est mon top 1 à ne pas essayer à la maison. C'est parfait pour manger avec des hot dogs. Il y a peut-être un mode d'emploi. Et bien s'il n'y en a pas, j'en rajoute un. Le mode d'emploi dit que tu ne peux pas manger de la confiture à la fraise avec des hot dogs. Ça ne se fait pas. Pour vrai, priez pour moi. Priez vraiment pour moi parce que oh mon dieu, le chalet ça allait être dégueulasse. Ça c'était tout le combo de te aujourd'hui qui était vraiment pas douteux, c'était pas douteux, pas en tout, c'était juste dégueulasse, c'était épouvantable. Je n'ai pas de top 3, même si je dis que c'était pas si peu, je n'ai pas de top 3, ils étaient tous dégueulasses, je les mets tous à zéro automatiquement. Il n'y a rien qui a le sens. Continuez de manger votre confiture avec ce monde de pain. Ça, c'est tous les amis pour le combo douteux aujourd'hui. Oh mon dieu, le show sera sorti bientôt. Ok, et on se dit à la prochaine, amusez-vous bien, ne pas essayer à la maison. Coronavirus! Danger! Ok, je repasse à Stéphane Tron et Marc Lilou. Peace out. Coke est laid, hein? Moi, j'aime pas les boissons gazeuses, fait que je suis éliminé en partant. Mais en tout cas, donc, merci beaucoup Emmanuel, c'est toujours un plaisir de voir tes combos douteux, de voir à quel point tu deviens créatif. C'est game. Chez toi, I love it. À l'instant maintenant, dans les commentaires, dans la section du chat live, écris oui. Qu'est-ce que t'aimerais voir dans les challenges, puis on va les prendre en note, puis on va les faire la semaine prochaine, garantie, dans la limite du possible de la bêtiserie. Donc, on veut que tous les défis proviennent de quelqu'un qui a commenté, là, OK? On veut le prendre. Come on, somebody! Ensuite de ça, on continue avec le nouveau segment. T'es pas game? Le nouveau segment T'es pas game. Ça va être un bon défi, ça va être un bon défi. C'est vraiment drôle, on espère que vous allez rire autant que nous on a ri. Alia, t'es incroyable. Come on. T'es incroyable. Come on. Okay. Fait que on. Yeah yeah. Sean de Paul. So mega solen. On travaille la balle. Alia, vas-y, montre tout ça. C'est moi, je m'appelle Alia et j'ai l'honneur de faire un défi qui avait l'air quand même compliqué pour moi. Je sais pas trop si je vais y arriver. Non mais je pense que pour vrai, je pense que je vais y arriver. Pour vrai, je pense que je vais y arriver. Là on est dans le t'es pas game, tu vois. Fait que moi je crois que je suis game, ok, de faire ce challenge là. Challenge accepted. Non, mais je vais vous l'expliquer avant. Fait que j'espère que tu m'écoutes bien là. Parce que moi je vais t'expliquer le défi pour que tu comprennes. Le défi que je vais devoir faire, c'est voici de la belle crème fouettée, véritable, qui est bon. Québec. Ok, fait que ça fait que c'est de la crème fouettée que je vais devoir mettre comme ça là ici là, sur ma main là, sur le dessus de ma main. Et je vais devoir faire de même. Je frappe mon bras là, ça me fait mal là.
fais ça de même. Puis là, faut que ça revole pour que ça tombe dans ma bouche. Faut que je sois capable de le faire revoler pour qu'il tombe dans ma bouche. Ouais, spécial. Donc voilà, je vais essayer le défi. Donc encouragez-moi vraiment. Hein? Ouais. Oh! 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 Non. Ça l'a volé! Attendez. Ok. Ok. Oh! 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 C'est froid! C'est froid! C'est froid! Ok. Ok. Voilà. Donc, à gauche, je fais comme ça et puis ça revole. 1, 2, 3. Ça n'a pas marché. Je vais recommencer. Attends. J'en ai trop partout là. On recommence. 1, 2. Ok. 1, 2, 3. Oh. Ouch. Ça n'a pas marché. On recommence. 1, 2, 3. Mais là, ça ne fait pas. Attends, j'ai rajouté un petit peu pour voir. C'est peut-être mieux comme ça. Ok. 1, 2, 3. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Ouais, ça marche un petit peu. Mais pas vraiment. Vraiment, hein, ça c'est compliqué. Voilà. Fait que moi, pour de vrai, ce défi-là, je vais m'en passer la prochaine fois. Mais ça fonctionne un petit peu à ce que j'ai vu. Ah. Bon, Kounia, bras l'aller. Goodbye. Ok, pour vrai, Alia, je leur ai dit, là, je te trouvais incroyable. T'es vraiment game. Et là, on s'est dit que nous aussi, on allait l'essayer. Oh, ok, c'est beau. Comment t'as dit? Oh, c'est froid, oui. Oh, c'est froid, oui. Puis là, faut que je tape où? Je tape genre ici. Ok, pas comme Alia ici. Non, c'est ça. Ici, ça fait mal pour rien, ok? Si vous le faites à la maison, là. Comme t'as une bonne élan. Ouais, t'as une bonne élan, je tape. Puis mets-vous à la maison. Oui. Taguez MC Canada Influence aussi. Okay. Dans vos stories. Puis on va le repartager. On y va un à la fois parce que les gens pourront plus regarder. Ok. Là. Okay. Okay. Ok, vas-y. Bon, là, bon, place. Bon, ok, j'y vais. Ok, j'y vais. 1, 2, 3, go. Quand même, il y a quelque chose, c'est quelque chose. Donc, maintenant qu'elle l'a fait, on va pouvoir passer au prochain segment. Pas besoin de le faire. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Prochain segment, c'est la recette de la semaine. Come on, somebody! C'est une recette qui est assez simple que je pense que tout le monde va pouvoir faire. Puis, Marie-Lou, pourquoi tu reviens pas avec nous nous montrer un peu de quoi t'as l'air? J'essaie de m'enlever le... Donc, prochain segment, la recette de la semaine. Thank you.
Donc, c'était la petite recette de la semaine. Ok, ok, guys, je sais ce que vous vous dites. Vous êtes comme moi, mais Stéphane, toi, tu l'as pas fait. Je l'ai toujours. Je vais le faire. Merci. Je l'ai fait. T'en as partout! Ben, c'est pas pareil, moi. Oui, j'ai mis la toile de la porte. Hey, y'en a mis. Guys, y'en a mis partout. Y'en a sur le mur. Ok, guys, behind the scenes, mais. Vous pouvez voir à quel point ça va aller partout. Non, c'est correct. Ok, donc, merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on a répondu à une question existentielle qui est quel est le sens de la vie? Encore une fois, merci beaucoup à David. Petite histoire très intéressante, mais je pense qu'il nous amène à bien réfléchir sur on n'est pas juste appelé à rien faire, on est appelé à être l'image de Dieu. Amen. Cool! Ensuite, on a vu le beat de la semaine qui était... Promises! Merci encore à Anna de ses explications qui sont toujours claires. Puis moi, personnellement, je connaissais pas le groupe. Je l'ai écouté pendant que je faisais le montage, là, puis j'ai un repeat. C'est vraiment bon. Cool, I love it, I love it. On a vu nos combos douteux. On a vu un nouveau challenge, T'es pas game. Si vous l'avez pas vu, ben moi, je l'ai d'en face. Et ben, du tracé de la quarantaine. C'est quoi la limite? C'est quoi la limite? Elle est où la limite? Il y a pas de limite. Good! Donc, encore une fois, si t'écoutes présentement puis t'as pas de reconnect, inquiète-toi pas. Tout va bien. Fais juste te connecter à mcigc.ca. Va dans l'onglet Trouver un groupe connect. Après ça, de là, tu cliques dessus. Tu as juste à remplir un formulaire assez rapide. Puis on va te contacter le plus rapidement possible pour te grouper avec un groupe connect. Dans cette période, évidemment, c'est sûr que nos groupes connect se font tous en ligne. Donc, soit sur Zoom, dans les conversations Instagram, sur Messenger. On se connecte. Puis ça vous permet de connecter avec des personnes, jaser, de jouer à des jeux, de faire des Netflix parties, de regarder des films en groupe. Donc, c'est vraiment le fun. Comment? On est en train de tous expérimenter ça. On t'invite d'ailleurs ce dimanche, ne manque pas notre assemblée qui est diffusée en live sur Facebook ou sur le site internet de l'église à 10h et à 12h30. C'est vraiment important qu'on participe tous à notre assemblée. Si t'as un petit frère ou une petite sœur, 30 minutes avant les heures, 10h et 12h30, donc à 9h30 et à midi, il y a des enseignements pour ce groupe d'âge-là, donc tu peux te connecter avec eux sans problème. Merci beaucoup à toute l'équipe d'influence, merci à nos pasteurs qui nous font confiance. On est vraiment proud of today, come on somebody! Et on vous dit à vendredi prochain, right? Come on! Oh!